Et bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo, voilà, la deuxième sur trois, où on veut ouvrir cette petite tine en métal, voilà, tine Pokémon électrique. On va l'ouvrir tout de suite. Alors je crois de mémoire que c'était une vraie galère à ouvrir. Je crois que je vais devoir prendre le petit cutter. J'ai dû prendre le cutter, ouais. On va dire que c'était pas bien scellé. On va mettre ça là-bas. Ouais, c'est ici. Donc celle-ci, pourquoi je l'ouvre? Parce que j'ai eu de la chance en fait sur les trois que j'ai ouvertes. Donc il y avait trois types de Pokémon, on va dire. Il y avait le plante, le eau, et là c'est l'électrique. J'ai toujours eu de la chance dedans, j'ai toujours sorti quelque chose de sympa. On a Voltoutou, Elexprint, et d'ailleurs on a le petit Pikachu. Et ce qui est bien avec ces boîtes, c'est qu'on peut vraiment mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Le petit jeton, Pikachu, voilà. Donc c'est aussi une bonne alternative au 3-pack, je trouve. Par contre les boosters à l'intérieur, voilà, on n'est pas sur du foufou. Évolution céleste, Battle Style et point de fusion. On va ouvrir le style de combat. Allez. Donc là, il n'y a pas d'histoire de code blanc ou code noir. C'est. Voilà. Ça n'a aucune importance. 2, 3, 4. Là, on peut avoir de l'alternative à Évolution Céleste. J'ai pas eu grand chose en tirage. C'était plutôt pauvre. Point de fusion, j'ai réussi à avoir la Celebi. Donc, on y croit. On commence avec une énergie O. Morpeko. Dimoclès. Sarah. Lixi, Larvadar, Scalpion, donc là je crois qu'il n'y a... Non, les Amazing, non, ils les ont arrêtés avant, donc je crois que là il n'y aura rien en reverse. Scalpion, Ferrosinge, Gripat, Charpentier, et derrière nous avons rien du tout avec un coup de langue. Ok. Style de combat, j'ai plutôt eu de la chance sur cette série. Pas sorti des cartes exceptionnelles, mais j'ai quand même eu un petit Chifourse. Je vais dire de bêtises, je crois que c'est une alternative, il me semble. Alors, continue avec point de fusion. Et on commence avec une énergie plante. Loclas, qui est très joli. Écolier. Armando, Rachid et Noah. Rondoudou. Fermite. Flamajou. Negapi, avec le Poisipic qui est juste derrière. Balbuto. En reverse, nous avons... Ouais, c'est une rare reverse et je crois que je l'ai déjà celle-ci. Le Kangourax. Et derrière, nous n'avons rien du tout avec le Electrode. Electrode, pardon. Bon. Allez. Est-ce qu'on va avoir un Rayquaza alternative? C'est beau de rêver. Dans ce genre d'item, ça serait pas mal. Si les cartes veulent bien sortir, 1, 2, 3, 4. Elle est un peu foncée, je trouve. On verra. Une énergie obscure. J'ai l'impression qu'elle était un peu épaisse. Goélite. Aroma Thérapeute. Badge Lune et Soleil. Emolga. Paracool. Tournicoton. Lobdisk. Pas encore la reverse passe rouge. On est à la reverse avec un frou sardine. Et derrière, j'ai pas l'impression que ça brille plus que ça. Enfin, ça brille quand même. Hein, blanc canton, holographique. Ok, bon, c'est pas ouf. Je l'avais pas celle-ci. C'est pas ouf quand même. Ouais, bon, bah voilà. Une deuxième ouverture qui a été plutôt rapide. J'ai eu souvent de la chance et là, ça n'a pas été le cas. Hop, ça, je vais les mettre ensemble. Et bien, il restera plus que le coffret Mew demain pour nous sauver un peu cette ouverture. Je vous dis donc à tous, à demain. Salut.